rien que d'y penser, j'ai des frissons. Ça a commencé par un chant, par les conques de Lambi. Il y avait donc tout l'univers et l'imaginaire caribéen qui était déployé. Ensuite, la musique qui représentait, parce qu'on est ici à Trinidad, le carnaval, la mode, des créateurs de bijoux, de senteurs, et bien aussi des chefs. Des chefs de Guadeloupe qui ont présenté avec leurs élèves une grande toile comestible. C'est le mot principal qui en ressort, c'est la fierté, parce qu'on a tous vraiment mis le cœur pour représenter la Guadeloupe et on était tous ensemble, on est vraiment une équipe très soudée du début jusqu'à la fin. La délégation guadeloupéenne composée de grands talents, de nombreux talents, a démontré qu'elle savait jouer collectif, qu'elle savait être une équipe. Et précisément, elle l'a fait à travers justement l'écriture d'un scénario, à travers la mise en musique de ce scénario, l'exécution de ce scénario. Cette Country Night, ça représente exactement ce que la Guadeloupe est en fait. On est solidaires entre nous et on vit les choses, la musique fait partie de nous et ça nous rend joyeux. Et le fait qu'on soit tous unis avec ce magnifique groupe de carnaval Vibration, c'était juste très fier.